Samy Lenoir, que ton âme repose en paix. Les gars, vous savez, quand mes yeux ont vu, ma bouche parle, parce que ma bouche ne porte pas les chaussettes. Je suis sûr que beaucoup ne sont pas au courant qu'on a enterré Samy hier. Que l'enterrement de Samy était hier. Je suis sûr que beaucoup ne sont même pas au courant. Les gars, pourquoi vous êtes souvent comme ça? Regardez un peu à quoi ça a ressemblé les derniers hommages de Samy. Où sont passés tous ses collègues, tous les gars qui étaient au quotidien, qui tournaient les web-séries, qui étaient en train de s'amuser? Ils sont passés où? Personne. J'ai vu à peine quelques artistes et les moustiques et Frida Choco. Et le, on l'appelle encore qui là, il est court comme ça là, qui joue souvent le rôle de son fils, qui est ton fils machin. Franchement, c'est terrible, hein? Les Camerounais sont terribles. Je suis sûr que d'autres vont se dire, vont se poser la question, Franco, toi-même tu étais où? Je vais vous dire à la fin. J'ai été informé de la levée du corps de Samy vendredi sur la page de One Love. Je vois les images de la levée de corps. C'est aujourd'hui la levée de corps de Samy. Il n'était même pas au courant. Ou c'est l'information qui m'est échappée. Ou bien, je ne sais pas. Tous ces gars qui étaient, comment on appelle ça, qui jouaient le rôle des enquêteurs. Tout le monde est venu. Facebook a vibré ici. Ça allait dans tous les sens. Tu arrives au nord, c'est Samy. Au sud, à l'est, à l'ouest, c'est Samy. Oh, tel a fait ci, tel a fait ça à Samy. Tous les enquêteurs sont allés où? Aux obsèques de Samy. Vous n'avez même pas communiqué sur les derniers hommages, l'enterrement de Samy. Adama, vous êtes fort. De la levée, veillée, enterrement, vous qui étiez avec Samy tous les jours, personne n'est go à l'enterrement de Samy. Hey, mec, quand est arrivé à l'entraînement de mon pâté avec à peine 7 personnes derrière moi. Je croyais que c'était ça mon affaire. Donc les Camerounais sont, ils sont seulement avec toi dans tes moments de joie. Quand le malheur arrive là, tout le monde aime. J'ai même vu une autre là qui recevait la réunion le jour de l'enterrement de son collègue. Pourtant, j'ai vu les images, nous ont retrouvé ici sur les réseaux sociaux. On a vu plus de 50 photos avec des collaborations. Samy collaborait avec tellement, il faisait le featuring avec tellement de web comédiens, des influenceuses et tout ça. J'ai vu une autre influenceuse même qui recevait la réunion. Elles étaient en train de danser chez elles, sauter. Le jour qu'on mettait Samy au sol, le dernier jour de Samy sur terre, un égonie à l'arrivée. Ni à la vie, ni à l'enterrement. Hey! Non, vous êtes fort, hein? Je vous donne le café. Franchement, les gars, changez un peu ce genre de comportement. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Apprenez un peu à assister les gens, même, non? Oui, vous allez dire que c'est Samy qui est parti. Vous devez partir, qui devait vous recevoir, machin. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison, mon frère. Ce n'est pas une raison. Il ne fallait pas prendre le bus. Pour aller à l'enterrement de Samy. On dit c'était quelque part après un van là-bas. C'est à peine 20 km où on enterrait Samy. Donc, il ne fallait même pas courir le risque. Pendant les bus sur les axes lourds, il n'y avait pas de risque. Aller assister la famille de Samy pour les derniers hommages. Vous avez abandonné les chaises vides. C'était le truc de Samy est passé comme je ne sais quoi. Pourtant, vous étiez les premiers à venir brûler ici sur la toile. Non, je vous respecte. En tout cas, il y a une information que je voulais vous passer parce que hier, j'ai fait un post tellement j'étais satisfait. C'est même ça qui me fait même faire ma vidéo ce matin. J'ai fait pratiquement 2 semaines avec mon fils là. Le gars avait un problème. Il chauffait, il avait un problème. J'ai fait les examens sur l'enfant. Je suis allé à l'hôpital. L'enfant a fait les examens au moins dans trois laboratoires différents. Papa, il n'a pas eu de solution. L'enfant pleure chaque jour. On fait les examens et il n'y a pas de problème.
il a fallu que quelqu'un m'aide. On m'a indiqué un laboratoire. Mon frère, je n'ai jamais entendu parler de laboratoire. Le laboratoire du centre. Je suis arrivé là-bas avec l'enfant. Tara, on fait l'examen sur l'enfant. On découvre ce que l'enfant a depuis 2 semaines. J'ai fait 3 examens. Je ne vois pas. On dit que l'enfant n'a aucun problème. J'ai même cru que c'était le wish du village. Que c'est que nous sommes bantou, mon frère. Oui, il y a les gars qui meurent comme ça. On fait les examens. On ne voit rien. Surtout, j'ai confirmé parfois ce qu'on dit, parfois, comme on dit parfois dans certains labos, qu'on n'a rien vu sur le wish là. C'est parce que les gars n'ont pas les appareils sophistiqués. Quand moi-même, je suis arrivé au laboratoire du centre, là, j'ai vu seulement l'équipement. Les appareils de dernière génération, j'ai dit oui. Ici, là, non, c'est le haut niveau. Rien que l'accueil des Wanda, sur le manière de recevoir les gens. Je voulais même faire les photos en solo comme ça pour vous présenter, les gars, que voici un endroit où j'ai trouvé qui est bien, que je peux vous envoyer là-bas. Mais les gars sont tellement stricts, il n'y a même pas possible. D'ailleurs, tu sors ton téléphone, te disant, oh monsieur, regarde le téléphone, monsieur, ici on ne fait pas les images. Ils sont tellement professionnels. Moi, je suis au c'est encore quel système. Vous avez tout le matos, les gens ne sont pas informés, vous avez tout ça. Vous n'informez pas les gens, pourquoi? Vous vous rappelez une fois quand j'étais allé au centre de trucs là, où c'est, sur la route de Co là, avec, pour le problème des yeux de mon fils, quand j'avais trouvé que c'était un endroit agréable, spécialisé pour les yeux, j'étais venu ici vous dire que les gars, si quelqu'un a un problème des yeux, même son enfant, même son père qui a amené l'enfant là-bas, beaucoup de personnes sont allées là-bas. Aujourd'hui, je vous dis, gars, même si tu as n'importe quel examen à faire, que tu veux être sûr, va au laboratoire du centre. Les gars là, ce sont des anciens, même je n'étais pas au courant. On dit que les gars là existent depuis plus de 10 ans. Il n'y a pas l'information. Je suis go là-bas. L'enfant a dormi aujourd'hui comme. Quand il quittait la maison, l'enfant dormait encore depuis plus de deux semaines. Donc, il a fallu que le résultat sorte là-bas pour que j'aille acheter les remèdes même qu'il fallait pour l'enfant. Pourtant, il y a 3 examens venant des laboratoires différents que on me dit que non, l'enfant n'a aucun problème. C'est là-bas que j'ai eu la solution. Gars, et l'information qui va le plus vous surprendre, comme moi, hier là, c'est le test d'ADN. Est-ce que vous savez que on fait le test d'ADN au laboratoire du centre. Chose qu'on nous a toujours fait comprendre que non, le test d'ADN, il faut prendre l'avion, il faut aller chez le blanc. Alors qu'on fait ça au Cameroun, je n'étais pas au courant. Moi-même, je n'étais pas informé. C'est hier que j'ai découvert ça là-bas. Les gars, et on dit qu'ils sont les seuls à s'aimanter au point de la Cour suprême pour les tests d'ADN. Je suis venu voir les familles comme ça là. On dit que c'est les tests d'ADN. On fait le test d'ADN déjà au Cameroun. On dit que partout là-bas, Douala, Bafoussam, Moukan, ce genre de problème, ce n'est que chez eux qu'on envoie. Et dit que, hey, et les gens ne sont pas informés, maman. Moi, je suis même dépassé au pays. Tellement, je suis arrivé là-bas, j'ai un peu sondé un peu certaines personnes. Comme on était à la queue, on était nombreux. On me fait comprendre que le laboratoire là, laboratoire du centre là, si tu es même couché, si tu es dans ton bureau, man, les médecins de là viennent te prélever dans ton bureau. Même à domicile. Donc, si tu as ton pâté qui a fatigué, là, tu ne veux pas aller trop de tracasserie. Tu passes seulement au laboratoire du sang, tu déplaces un médecin, il vient faire les prélèvements, il fait tout sur place. Et on vient vous donner le résultat sur place. En termes alors en tout cas, moi, je parle seulement parce que vous êtes mes fans. Si je découvre quelque chose qui est bien, je suis obligé de vous dire. Mais les gars, on les voit bien comme ça. Les gars ne sont pas au courant. Moi, je suis pas au courant. Moi, j'ai mon examen à faire, mais je ne réfléchis plus. Même si je go dans un hôpital, là, on me prescrit un examen. Je cours directement là-bas faire. Parce que je sais qu'ici, là, non. Il n'y a pas question qu'on va te dire qu'ils sont machin. C'est la vérité. Et là-bas, j'ai appris une histoire d'un blanc avec une fille de l'université de soi. Quand je ne vais pas avoir la tête posée, vous raconter l'histoire, là, vous allez confirmer que oui. Les filles sont fortes ici dehors. Non, sincèrement, les gars, j'ai trouvé le laboratoire là bien. Je ne sais pas comment ils vont vous indiquer pour vous arriver là-bas. On m'a indiqué aussi. Vous indiquez comment on s'est indiqué. Donc, quand vous partez, on appelle ça oula. Quand vous êtes déjà au niveau de la poste, vous longez tout droit vers la voirie municipale. Après la sonnelle, la voirie municipale, et à droite comme ça. Il y a une petite pente, la petite montée là. Dès que vous montez, la petite montée là, c'est directement à droite. Donc, c'est autour à 100 mètres de la voirie municipale ici à Yaoundé. Donc, autour à 100 mètres sur la route là où on longe, la petite montée, après la petite montée là, c'est directement à votre gauche en montant. Donc, voilà comment je peux vous aider. Vous allez trouver l'endroit là tout. Et j'ai dit que je vais partager ça avec mes projecteurs. Franchement, si je trouve un endroit qui est bien,
Je dois vous dire, non? Non, je dois vous dire. Ne me dites pas merci, c'est cadeau. Parce que la santé au Cameroun, beaucoup de personnes meurent. Ce n'était même pas leur jour. Par négligence. Par manque. On a vu une image ici où on disait qu'on avait fait la radio, on montrait le café dans la poitrine de quelqu'un. Le café était plutôt dans l'appareil. Manque d'entretien. Franchement, les gars, allez là-bas, faites vos examens. Je vous invite seulement à aller là-bas, faire vos examens. C'est juste un secret que je vous donne. Ouais, pour me suivre, il faut être en santé. Ouais, non? Quand je arrive d'avoir quelque part, je vois d'abord la façon dont tu accueilles. Dans les sondages, on te dit que c'est le seul laboratoire qui a été créé, qui a été mis sur pied par décret présidentiel. Où je confirme que oui, les gars ont raison d'être strict, d'être sérieux comme ça. Vous savez que tout ce qui sort, tout ce qui vient de Pomba, mon frère, il y a du sérieux. Quand il décret présidentiel déjà là, non, hey, c'est du sérieux, mon frère. Ce n'est pas. Oui, non. Quand vous allez arriver là-bas, vous allez confirmer ce que Franco disait, que c'est propre, c'est la magie. Oui, si c'est pour les yeux, allez là-bas vers Obac, là-bas, je ne sais pas comment on appelle, on n'a pas encore le centre là. Oui, si c'est pour les examens, peu importe l'examen que tu veux faire. Quand tu as prescrit, même c'est où, va au laboratoire du sang. C'est un secret. C'est au général Franco. En ce qui concerne les amis de Samuel Lenoir, là, changer de comportement, ce n'est pas bien. Vous entendez? S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.